Les croyants éprouvent-ils de la colère? Les croyants, comme toute personne, peuvent naturellement éprouver de la colère dans certaines circonstances. Mais un des signes les plus significatifs de leur caractère vertueux est leur capacité à contrôler leur colère. Ils savent pertinemment qu'un bon sentiment ne surgit certainement pas après un moment de fureur incontrôlée et intense, et qu'en agissant ainsi, ils perdront assurément toute capacité à réagir de façon raisonnée et équitable. Ils évitent de prendre de mauvaises décisions qui peuvent heurter et blesser leur propre personne ainsi que leur entourage. Pour cette raison, les croyants font à la fois preuve de fermeté et de miséricorde. Allah loue dans le Coran ce trait de caractère des croyants. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Cependant, contrôler sa fureur ne doit pas être mal interprété. Cela ne veut certainement pas dire que le croyant doit tout accepter et rester inactif. Les croyants réagissent inévitablement en fonction des événements et essaient d'empêcher tout mauvais comportement ou toute situation qui pourrait blesser d'autres personnes ou d'autres croyants. Ils ne réagissent pas de façon émotionnelle, bien au contraire, ils vont s'efforcer de trouver des solutions adaptées et rationnelles et tenter ainsi de sortir de ce mauvais pas les personnes en proie aux turpitudes, de les guider ou de leur permettre de transformer cette situation qui leur est pour le moment défavorable.